Salut tout le monde, c'est Camille pour l'épisode 150 de Skyrim. Pile poil au moment où j'ai dit où tout à l'heure on est repassé. Je ne sais pas comment vous pouvez supporter toute cette lumière. D'accord. On est passé. C'est passé. Demandez à Pendragon s'ils l'ont lu près de Falen. Ah oui, demandez à Pendragon, pardon. Un jour, j'espère posséder ma propre auberge. Tu veux un peu de sous? Tu ne veux pas de sous. Toi, un garde! Certains disent qu'il suffit d'être griffé par un vampire pour devenir comme eux. J'espère que ce n'est pas vrai. Tu dis ça parce qu'on a les yeux oranges? Une bagarre? Non, Que puis-je pour vous? Bah écoute. Attention à ce que vous faites! Mais faites quelque chose! Pourquoi les gardes de l'eau viennent? Ah bah oui, si, évidemment. Il n'y a pas du cru par contre. Ah, inflige des dégâts aux vampires, on va la prendre. Ok. Lorsque vous portez une armure de la garde de l'aube complète, les attaques vampires dessus. Et le sort de ponction de vie inflige 25 de dégâts en moins. Bon, je vais vous laisser faire. Hein. Oui, alors quand on est vampire, la garde de l'aube nous chasse, hein, normalement. Mais bon, on est assez serein. C'est une auberge, ça? Non. L'auberge, ah bah non, il y a un panneau, en fait. Elle est là. Ah oui, je peux pas régénérer mon endurance quand il fait jour. Si vrai! Vite, le parchemin des anciens. Faïda m'apprend à tenir une auberge. Elle dirige celle des quatre... Faïda? C'est toi. Je m'appelle Faïda. C'est moi qui m'occupe de l'auberge. T'as entendu des rumeurs dernièrement? On dit que Falion de Mortal a étudié les vampires, les drogueurs et autres morts vivants. Bah écoute, c'est exactement ce que je voulais. Merci. À la prochaine. Et nous, Falion? Falion? Non. Il y a quelqu'un? Falion? Bon, on va mettre... On va faire ça, hein. On est parti. Voilà, c'est lui le prophète, je pense. Tiens, t'es loin? Ah, carrément, t'es à Mortal. Ah oui, il faut aller à Mortal. Très bien. Très bien. Oh la vache, un troll. Oh là 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 là, ce qu'il a sur le stuff. Je suis plus à l'aise en nocturne. Est-ce qu'il a bougé le copain? Non, il n'a pas bougé. Par contre, l'autre quête... Ça me dit que j'ai une autre quête quelque part, là-bas. À Pont-Dragon. Écoute, on va parler à Falion. Voir ce que ça donne. Autrement, on va retourner en Pont-Dragon, hein. En Pont-Dragon, pardon. Mes parents sont morts il y a longtemps. C'est Falion qui s'occupe de moi. J'ai demandé à Falion si je pourrais un jour étudier chez les mages de Fort d'Hiver, mais l'idée ne lui a pas trop plu. Ouais, je suis l'archimage. Falion. Les changements qui ont eu lieu à Mortal sont sans conséquence, à mon sens. Tant que quelqu'un fait respecter la loi, peu m'importe qui s'en charge. Tu peux m'enseigner à quoi? Ce sont des forces puissantes. Méfiez-vous qu'elles ne vous dépassent pas. Ouais, t'inquiète. C'est histoire de monter un peu mon level, en fait. Attends, on est déjà... T'es pas cher pour un mètre, dis donc. On monte combien? La vache, est-ce qu'on monte level? Oh. 35. Ah non, ça a déjà fait tous les levels, ok. T'es expert en vampirisme? Mes connaissances sont grandes. J'ai étudié nombre de sujets que la plupart des humains ne pourraient comprendre. J'ai traversé les plans d'Oblivion. J'ai vu des choses que personne ne devrait voir. J'ai rencontré des Dédras et des Dwemers et bien d'autres créatures encore. Ouais. J'en sais assez pour reconnaître un vampire là où la plupart des autres ne voient qu'un humain. D'accord. Ok, bon, on s'en fout. Tu ne m'intéresses pas du tout, en fait. Faut que j'interroge quelqu'un d'autre. C'était pas une bonne idée, en fait. Retourne à Pont-Dragon. Et non pas à Fandragon, puisque Fandragon, c'est notre sort.
Pardon, je suis en train de boire de la bière en même temps, donc ça fait... Et des bulles. Alors, on va enlever la quête au lever du jour. Parce que je veux pas de remède. En parlant de lever du jour, non, c'était que je voulais. On va attendre qu'il fasse jour, parce que tout le monde dort. Même si c'est pas bien pour moi quand il fait jour. On va attendre 10h. Enfin, 9h51. Voilà. Élève. Non. Je n'aime pas votre regard. Il dégage quelque chose de mauvais. Ouais. Vous savez quelque chose sur un prêtre de la Falaine qui serait passé à Pendragon ? Un prêtre de la Falaine ? Je regrette, mais ça ne me dit rien. D'accord. Demandez à l'un des gardes. Ok. J'ai demandé tout à l'heure, mais... Bonne journée. Merci. Garde. On raconte que la... Garde. J'ai appris que vous aviez... Les derniers honneurs ont été rendus... Il n'y a pas un garde compétent maintenant ? Garde, toi ! Salut, Crin. Vous, vous êtes le héros des compagnons. C'est un honneur de me trouver en votre présence. Ouais. Bah, on va retourner à... Sérieux, il faut demander à un des gardes, mais non. Ah oui, je peux toujours pas régénérer. Vous avez fait la connaissance de mon mari ? Pas la peine, c'est un ivrogne. Prêtre ? Non, je ne crois pas. D'accord, on s'en fout de ta vie. Tu dis ton mari, ça va être une quête avec ton mari, non ? Cherchez à me... Il m'avait promis sur la tête de ses ancêtres qu'il allait arrêter de boire. Et qu'est-ce que j'apprends ? Qu'il cache des bouteilles dans une grotte non loin. Il a même des loups qui gardent sa cachette. Sérieusement, je devrais lui arracher la langue qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. D'accord. Je pourrais aller chercher la réserve de votre mari. Si vous voulez essayer. Mais je garde ma dague bien affûtée au cas où. D'accord. Prenez ce que vous voulez, mais apportez-moi la bouteille d'hydromel du souffle du dragon. C'est son préféré, alors je sais qu'il en a une ici. Ok, merci. Donc Serena, maison. Y a personne dans la taverne. Les quatre boucliers. C'est chiant en fait de pas trouver de monde. Et au mec. Prenez garde de ne pas offenser. Est-ce que t'en sais plus ? Je m'appelle Faïda. C'est moi qui m'occupe de l'auberge. Vas-y, c'est cool. On dit que Falion de Mortal a étudié les vampires, les drogueurs et autres morts vivants. Toi. Faïda m'apprend à tenir une auberge. Putain, merde ! Non, Pendragon ? Pendragon et... Arrêtez de me Bon, bah, on va aller visiter une maison. Ah, ici. C'est la mairie, ça ? Enfin, le truc des Jarls. L'avant-poste. Ah, bah, voilà. Camarade, vous devez être perdu. La taverne est un peu plus loin, sur la route. Ouais, mais c'est pas... Je suis à peu près sûr que vous vous êtes trompé d'établissement. Bah non. C'est toi que je voulais voir, mais apparemment personne n'est capable de me répondre. Putain. Bon, d'un côté, il n'y a pas de Jarl à Pendragon. Trop travaillé, ça finit par vous... Ah, la Falaine. Non. Merde. On s'ennuie avec ta femme. La Siri, d'accord. Bon. Là, vous me faites un peu chier, là, quand même, hein. Kama ? Ou garde, là ? Ou les deux ? Gamin ? Vous êtes soldat ? Ah, vas-y. Je sais pas ce que c'est, un prêtre de la Falaine. Ah ! Et j'ai vu passer un vieillard en robe, y a pas longtemps. Il était sur un chariot avec quelques gardes impériaux. Eh ben voilà, merci, petit. Ils se sont pas arrêtés, par contre. Ils ont traversé la ville en direction du sud, avant de traverser le grand pont. D'accord. C'était il y a peu de temps. Vous avez une chance de les rattraper si vous faites vite. Merci. Merci, enfin quelqu'un de bien dans ce pays. C'était en haut. Impulsion. Les impériaux pour des bêtes sont... Nakast. Nakast. Oh. Donc en direction du sud, donc par là. Il est passé il n'y a pas longtemps, moi aussi j'étais passé il n'y a pas longtemps. Et... On va suivre la route, hein, de toute façon. Ah, ça pue ça.
et fait des parchemins des anciens. Ça peut être intéressant, ça. Voilà. Note de vampire. Ça a même bouffé le cheval, ça. Il y a rien d'autre, juste à fouiller. Non, on va lire la note de vampire. Enfin, mon rechevauché craint l'ombre. Hein. Objet, livre, note de vampire. Terminé, ok. Les ordres ont changé. Vous allez tendre une embuscade au sud de Pont Dragon. Mettez le prêtre de la Falaine en sécurité au refuge des ancêtres. En attendant que je le brise, Malkus. Bah, go for it. C'est par là-bas, hein. Ça a pas l'air d'être loin. J'ai dit par où? Par là-bas. Voilà. C'est la grotte qui est juste à côté. Non, c'est pas celle-là. C'est un peu plus haut. Allez. Ah, il y a du sang en tout cas, c'est par là. Ah oui, c'est plein de sang. Refuge des ancêtres. Oui, descendre de cheval avant de passer à la porte, je sais. Il est 15h15. Je sais même plus sortir mes armes. Super. Voilà. C'était R. Oh, oui. J'appuie sur E en fait. D'accord, je suis en train de regarder si je vois des ennemis au loin. Bon, bon, on va y aller, hein, de toute façon. Oh, toi t'as mangé mon grand. Viande de chien, on s'en fout, on va pas en manger. Bon, vous avez remarqué que je ne prends pas l'archerie, hein, parce que je suis tellement mauvais en archer. Juste, je check un peu. Hein. Ah ouais, garde l'aube, d'accord. Alors par contre on va se healer. Ah merde, j'ai lâché le bouton. Allez, voilà. Oh. Alors un troll en armure, c'est violent quand même. Décapitation. Ces vampires savent se battre. Bah, les vampires, justement. Ah oh. Putain, je suis en mode décapitation là. Vanique. Oh la vache. Bon, les finishing avec les... avec les... la magie, c'est pas extraordinaire, hein. Mais c'est toi, prêtre de la Falaine. Crochet, grenat, concentration tellurique, je vais la prendre. Est-ce que c'est ça qui bloque, non? Concentration tellurique. Mec,
scroll en armure de Serena. C'est mortel. Bon. Dormir. Cool. On va mettre la concentration tellurique. Battez sous domination. Il faut pas que je le bute. C'est bon, c'est bon. Parlez. Donc par contre. Voilà, c'est fait. Tu m'excuses, je me heal parce que. Alors, il faut que je me change en vampire, je crois. J'ai pas séduction, hein, comme ça. Est-ce que je l'ai, tiens, d'ailleurs. Pouvoir. Séduction de vampire, bah ouais. Ah non, faut que je sois en vampire par contre. Je peux pas l'ajouter. Ah bah non, si j'appuie pas sur la bonne touche. C'est celui-là surtout que je voulais. Vue. Étreinte de l'ombre. Allez, vas-y, on rajoute. Vous devenez automatiquement invisible pendant 120 secondes, c'est pas mal. Donc séduction de vampire. Nourrissez-vous. On va parler. Vous êtes un fléau pour Tamriel, sale monstre. D'accord, eh ben écoute. Parlez, dis-moi. J'ai l'impression d'avoir ouvert les yeux. Je suis aveuglé par la lumière de votre majesté. Je dois. Vous obéir. Que souhaitez-vous que je fasse? Je vous ordonne d'aller au château de Volkihar. Très certainement. Où puis-je trouver ce château? Au large de la côte nord de Bordeaux-Ciel, à l'ouest de Solitude. Ça va, t'es en train de te faire le mur ou comment ça se passe? Je pars immédiatement dans ce cas. Bien sûr. Ben voilà. On va quand même se servir. Hein. Bouclier, je prends, je laisse les flèches, je m'en fous. Libérez-moi. D'accord. C'est violent. Les sorts de destruction coûtent. Ok. Bon, bah, je pense qu'on a quand même fait pas mal le tour. Il n'y a pas un mot là, quelque chose d'intéressant. Il n'y a pas l'air. Bon, on va ressortir du coup. On va régène aussi à fond avant de ressortir du machin. Quels sont vos ordres? Je te les ai déjà donné les ordres, mon grand. Mérès, je crois que tu. Comment t'appelles? Je sais jamais. Dorune Mérès. Allons-y au château de Volkihar. Et je fais pas partie de la guerre de l'homme, moi. Putain, je sais même plus ce que je fais. Quoi. Sophia, ah oui, t'as mis ton cheval. Moi, j'avais pas envie de le faire à pied. Est-ce qu'on va arriver avant toi ou pas? Allez, mon grand. Allez. Oh, c'est chiant les temps de chargement. Voilà.
super. Bon, on va juste voir ce que ça donne quand même. Bien joué. Je savais que Serana et vous finiriez par trouver notre prêtre de la Falaine. Bah, c'est mon esclave maintenant. Oui, je le vois bien. J'imagine qu'il n'a pas été trop difficile à capturer. Ça allait. La garde de l'aube a tenté de m'arrêter, mais il avait aucune, même pas l'ombre. l'ombre d'une chance. La garde de l'aube est venue, ils se sont bien battus, mais ils n'étaient pas à la hauteur. Ouais, ils sont venus. J'aurais aimé être là pour entendre leur hurlement. Votre captif attend, et nous lui avons donné le parchemin des anciens. Ordonnez-lui de nous lire les mots de la prophétie. Bon, d'accord. Ben, lis. Je me suis rendu là où vous m'aviez envoyé. C'est bien, c'est bien. J'ai une mission, esclave. Bien sûr. Que voulez-vous que je fasse ? Tu lis le parchemin. Ah, oui. Le parchemin des anciens. Ouais, ouais. Je vous avoue que j'attends ce moment avec impatience. Bah, go. Tout de suite. Sur ce, si vous voulez bien vous taire... Je dois me concentrer. Vas-y, concentre-toi. J'ai une vision devant moi. L'image d'un grand arc. Je connais cette arme. C'est l'arc d'Oriel. D'accord. J'entends une voix murmurer. Elle dit : parmi les enfants de la nuit, oui. Un puissant seigneur naîtra. Oui, moi. À un âge de discorde. Lorsque les dragons reviendront au royaume des hommes, les ténèbres se mêleront à la lumière. La nuit et le jour ne feront plus qu'un. La voix s'efface, les mots se mettent à vibrer et à se distordre. Mais attendez, il y a autre chose. Le secret du pouvoir de l'arc est mentionné autre part. Je crois qu'il y a d'autres choses sur la prophétie. Écrites dans d'autres parchemins. Oui, je les vois maintenant. L'un contient les anciens secrets des dragons, et l'autre parle de la puissance du sang ancien. Ma vue s'assombrit. Je ne vois plus. Pour révéler la prophétie dans sa totalité, nous avons besoin des deux autres parchemins. D'accord. Ordonner au prêtre de Falaine de lire le parchemin des anciens, c'est bon. Quels sont vos ordres ? Bah là, pour l'instant, rien. Ce n'était pas aussi utile que je l'aurais espéré. Mais vous vous êtes distingué. Oui. Ils sont où les autres parchemins ? Ma perfide épouse m'en a volé un avant de disparaître. Quant au second, aux dernières nouvelles, il était perdu dans les entrailles d'une ruine d'Ouémer. On dirait que notre travail n'est pas encore terminé. Mais j'ai attendu tout ce temps, et nous sommes si près du but. Je ne peux attendre un instant de plus. Oui, je m'en occupe, je m'en occupe. Je vais même m'en occuper dans l'épisode suivant. Ouais, ouais. Forger une belle arme. C'est vrai ? Le sentez-vous ? Vous avez changé, énormément changé. Avant, je pouvais à peine me défendre parmi les compagnons. Aujourd'hui, je pourrais tous les massacrer sans aucun scrupule. Pourtant, je n'arrive pas à la cheville du seigneur Archon. En fait, je me débrouille mieux sur une forge qu'avec mes griffes. Ok, tu faisais partie des compagnons ? Oui, mais je ne suis pas allé bien loin. À se prendre pour des êtres supérieurs, ils m'ont toujours laissé de marbre. Bah, je suis le taulier là-bas, cela moi. Cela n'a plus d'importance. Ok, Alors, je viens de voir un truc, ça pue un peu. À la recherche du parchemin trouvé des dragons. On l'avait celui-là et on l'avait plus il y a peu de temps en fait. On l'a donné il y a pas longtemps. Vous êtes le bienvenu. Donc celui-là on sait où il est. Et ben on va voir ça pour le prochain épisode. Je fais une sauvegarde. Une minute. Ouais, justement je viendrai te voir au prochain épisode. Allez, ciao tout le monde. Ouss.